elle fut la grande impératrice de Byzance, lorsque Byzance était le centre du monde, elle fut d'abord une prostituée. Avant de devenir impératrice, Théodora, prostituée et impératrice de Byzance, livre Enquête, qui vient de paraître chez Talendier. Virginie Giraud, vous êtes spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité dans l'Antiquité. Vous nous raconterez comment on peut être aujourd'hui, comment on travaille sur la sexualité des personnes de l'Antiquité. Vous brisez un tabou en réhabilitant celle qui a instauré le pouvoir des femmes à la cour, qui a utilisé les putains comme espionne ou entremetteuse, et puis qui a imposé les mariages diplomatiques et surtout qui a su s'extraire de la prostitution dans laquelle le destin l'avait placée et presque fait naître. Avant de venir à Théodora, j'aimerais bien qu'on brosse le portrait de l'époque, tout d'abord. Que représente Byzance, Constantinople, Istanbul pour être précis, lorsque Théodora naît il y a 1500 ans, au tout début des années 500? Alors, il faut imaginer un décor extrêmement exotique. Donc, on est effectivement à Istanbul, qui est alors Byzance, Constantinople. C'est la capitale de l'Empire romain d'Orient, qui se vit encore comme si elle était une seconde Rome. Donc, c'est un empire qui est extrêmement puissant, mais qui a perdu toute sa partie occidentale. Le paganisme est en train de mourir. Donc, il y a les chrétiens qui ont alors pris le pouvoir et qui se sont alliés à la figure de l'empereur. C'est un monde qui nous paraît très étrange, où le spectacle est très présent. L'un des plus grands bâtiments de cette ville, c'est l'hippodrome, dans lequel vient se rencontrer le peuple et également l'empereur. C'est un moyen de communiquer entre eux. Et il y a des courses de chars qui émaillent les grands événements. Vous racontez d'ailleurs que les courses de chars, c'est à peu près le dernier des plaisirs de la Rome antique que les chrétiens tolèrent encore dans cet empire où on voit d'un très 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 mauvais œil Jacques Weber, les acteurs, pas question d'avoir ces gens-là dans l'enceinte de la cité, et où il y a une très, on peut dire, répression, le mot est peut-être fort, enfin en tout cas reprise en main d'une chrétienté qui était minoritaire il y a encore un siècle. Effectivement, depuis un siècle, les chrétiens se sont imposés dans les plus hautes sphères du pouvoir et se sont attaqués très fortement aux païens. Et effectivement, le théâtre est quelque chose que les chrétiens n'aiment pas beaucoup. Alors, c'est un loisir qui met en scène le corps, les sentiments. Et ça, en général, on est assez prudent là-dessus, puisque les chrétiens n'aiment pas beaucoup à ce moment-là tout ce qui éloigne de la spiritualité. Donc effectivement, tout ce qui est lié au théâtre est extrêmement mal vu, et Théodora naît... Ça rapproche de la spiritualité, le théâtre. Les chrétiens se sont rattrapés après, au cours de l'histoire, ils se sont servis du théâtre comme un moyen de propagande absolument inouï. Enfin, vous voyez d'où on part. Mais oui. Mais quand on voit comment Tertullien parlait des Floralia au siècle de notre ère, et ne comprenait pas ce qui se passait sur scène... Effectivement, on a parcouru du chemin. Et avec cette idée que les femmes de théâtre sont quasi nécessairement des courtisanes, c'est-à-dire des prostituées? Ben évidemment, puisqu'elles mettent leur corps à disposition du regard des autres. Donc elles sont déjà des prostituées d'emblée. Théodora, où en est-elle? C'est une prostituée qui se prostitue volontairement ou alors par nécessité? Plutôt par nécessité, puisqu'elle est fille du dresseur d'ours de l'hippodrome. Donc sa vocation est de devenir, comme ça certainement sa mère l'était avant, elle, une prostituée, et sa grande sœur, Comito, l'était déjà. Donc, elle rentre dans le monde du théâtre dès l'âge de 12 ans, où elle devient d'abord actrice, pas très bonne, d'après ce que nous dit Procope de Césarée. Elle n'a pas un grand talent d'oratrice, c'est pas Sarah Bernhardt, mais néanmoins, elle a un charme incroyable, et les gens y succombent très facilement. Et ensuite, de fil en aiguille, comme elle est très très belle, d'une beauté remarquable, qu'elle a une intelligence très vive, qu'elle est très séductrice, elle va très vite avoir toute une cour d'amants qui va se constituer autour d'elle, et elle va en tirer le meilleur parti. Voilà, c'est-à-dire sonnant et trébuchant, le parti. Et des cadeaux aussi, si possible, et des voyages, et peut-être une situation moins précaire. Vous venez de dire quelque chose qui est, alors, à mon avis, le point tournant de votre livre, et qui le rend passionnant, d'après Procope de Césarée. C'est-à-dire que pour travailler, vous avez été contrainte de naviguer entre deux sources, uniquement deux sources. D'un côté, ce fameux Procope de Césarée, qui est quand même, le salaud parfait. On a droit à un historien officiel, une sorte, Frédéric Vitou, mais d'académicien de l'époque, servile au possible quand Théodora est au pouvoir. Et quand elle meurt, il règle ses comptes en faisant d'elle un portrait absolument épouvantable. Et puis de l'autre côté, l'autre source, alors c'est le Cato Béat, qui, lui, est persuadé que l'ancienne prostituée a trouvé la repentance dans la foi. Comment fait-on pour, à 1500 ans de distance, trouver la vérité entre ces deux écueils ?
Alors moi, j'ai pris le parti que la vérité allait m'échapper de toute manière, mais que j'allais essayer de faire au mieux pour l'approcher. Donc tout commence avec Procope de Césarée. Évidemment, on commence toujours par lire l'histoire secrète quand on est étudiant, parce que c'est tellement plus drôle de lire les potins. Mais Procope de Césarée, c'est quelqu'un qui est avocat de formation, qui va travailler à la cour, qui est le bras droit du général Bélisaire, et qui connaît très bien tout le monde à la cour. Il connaît personnellement Justinien, Théodora... Et il est en charge d'écrire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une véritable propagande. L'histoire officielle. Donc sous contrôle de Justinien et de Théodora. Justinien, c'est le grand empereur. Hein. Elle épouse cet empereur, Justinien, qui lui aussi, ça c'est intéressant, il n'est pas du tout destiné à être empereur. Vous dites c'est un petit paysan qui vient des Balkans, pratiquement de l'ex-Yougoslavie, et qui va se retrouver par le jouet des hasards de l'histoire, propulsé à la tête du plus grand empire. Exactement, il a eu beaucoup de chance puisque son oncle, qui était un militaire illettré, nous dit-on, est devenu empereur à la faveur d'une vacance du pouvoir et il a fait en sorte que son petit-neveu devienne son propre héritier. Mmh. Donc il l'a formé pour ça, aux belles lettres, aux droits. Et néanmoins, Justinien portait une sorte de stigmate. Il n'était jamais assez bien pour le pouvoir. Il parlait un latin qu'il voulait très châtier, par exemple, mais le pape de Rome se moquait de son latin, trop ampoulé. Mmh. Donc il y a une espèce de petit complexe d'infériorité que doivent certainement traîner ensemble Justinien et Théodora alors qu'ils sont au sommet du pouvoir. Alors, d'autant que vous dites, il ne s'agit pas d'un couple normal. C'est un couple, on dirait aujourd'hui, un couple fusionnel. Ils se sont trouvés, vous employez une expression, vous dites, ils sont partenaires, à la fois dans l'exercice du pouvoir et dans leur rapport, en tout cas sentimental, pour ce que l'on en sait. Qu'est-ce que c'est que ce couple qui, tout à coup, venu des marges de la société et de l'Empire, occupe la première place de ce qui, est, à l'époque, gouverne le monde connu? Eh bien, Justinien était en passe de devenir l'empereur, puisqu'il était l'héritier officiel, et autour de 40 ans, il n'était toujours pas marié, ce qui est quand même assez étonnant pour un homme de son époque. Il a sans doute refusé tous les bons partis qu'on lui proposait, toutes les femmes issues de l'aristocratie, qui auraient pu lui rappeler en permanence que lui n'en venait pas, ce qui est un peu gênant. Et du coup, un jour, il rencontre cette jeune femme qui a une vingtaine d'années, Théodora, sublime, déterminée, sensuelle. Il tombe sous son charme. Et sans doute qu'ils vont se reconnaître l'un dans l'autre. Tous les deux sont éperdus de pouvoir et quelque part sont très seuls. Et c'est ainsi qu'ils vont devenir partenaires tant dans leur vie privée que dans leur façon de gouverner. Et on sent bien qu'il n'y a personne qui peut se mettre entre eux. Alors vous dites que Théodora n'est pas simplement une très jolie femme, une séductrice et une ancienne putain devenue impératrice. C'est une femme de pouvoir, femme de tête. Il y a une anecdote. Le couple règne depuis quelques années. Une grande révolte éclate, comme il y en a tant, à Byzance. On est sur le point de voir l'Empire s'écrouler et surtout l'Empereur fuir. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est Théodora? C'est une histoire extraordinaire et qui montre à quel point Théodora avait une force de caractère hors du commun. Donc nous sommes en 532, tout Byzance gronde, il y a trop d'impôts, personne n'est content, on veut destituer les hauts fonctionnaires. Et Justinien... C'est pas nouveau ça, dites donc alors. Ça me rassure. Et donc Justinien et Théodora sont littéralement assiégés dans le palais impérial. Et il y a quelques généraux avec eux, le peuple gronde autour, la ville est à feu et à sang. Vraiment, tout sera à reconstruire après cette révolte. Et... Sainte-Sophie, hein, la grande basilique, est détruite. Exactement. Et Justinien est en train de se poser la question, doit-il partir? Doit-il fuir pour survivre? Et là, Théodora prend la parole devant des généraux, devant des hommes, seule femme devant une assemblée masculine, et elle va leur donner une véritable leçon de courage en disant qu'il est hors de question de quitter Constantinople, qu'ils sont arrivés au fait du pouvoir et qu'ils n'en partiront pas. Et elle aurait repris cette phrase célèbre du théâtre classique grec, disant que le pouvoir était un beau linceul, signifiant ainsi qu'elle préférait mourir au pouvoir que de partir. Mmh. Mais il y a de l'esprit de Cyrano là-dedans, Jacques Weber. C'est quand même... Oui. Non, non, non. Il est là, voilà, ça, le panache. C'est massue à De Gaulle. Elle est la massue de De Gaulle qui était justinien. Théodora lui dit, il faut rester mon général, il faut rester justinien. Ouais. Et voilà, pour rejoindre ce que disait... C'est pas franchement l'exemple que j'aurais été chercher, mais effectivement, Frédéric Vitoux. Mais ce que je trouve formidable, c'est, au fond, le Procope de Césarée dont vous parlez, il y a les deux versions. Mais peut-être que la seconde, méchante, est peut-être un règlement de compte aussi, et vous le dites vous-même, abusivement méchant. Donc c'est un dilemme effroyable que vous devez choisir, non pas entre la légende et la vérité, mais entre deux versions contradictoires qui sont probablement, vous le dites, excessives l'une et l'autre.
Et voilà, je trouve ça vraiment passionnant ce livre, parce que justement, à cause de ce déchirement de l'historien, parce que les autres sources sont plus tardives, donc moins crédibles. Et je trouve ça incroyable de faire un livre sur le même historien qui dit deux choses différentes, essayer de comprendre et de faire un personnage très romanesque, et c'est formidable. Alors, tellement romanesque que, vous le dites, elle a beaucoup souffert. Mais ça, Jean-Christian Petit-Fils, je sais que vous, en grand fan d'Alexandre Dumas, vous reprenez cette idée. Beaucoup souffert des romanciers. Et puis, des hommes de théâtre, il y a eu, à la même époque hein, que Edmond Rostand, Victorien Sardou. Sarah Bernard a joué le rôle de Théodore. Ouais. Alors, on a un peu oublié, même totalement, Victorien Sardou. Il faut dire que ce n'est pas bien fameux. Hein. Sarah Bernard. Madame Sangène, c'était bien, hein. Ouais. Mais alors, par contre, la Théodora de Victorien Sardou, qui a été un grand succès, Edmond Rostand a vraisemblablement vu, a pas mal aussi contribué à nous sortir de la Théodora authentique. Qu'est-ce que vous faites, vous, de toutes ces sources ? Alors, pour moi, ce ne sont pas des sources. C'est la façon dont elle est perçue à travers l'histoire. Et effectivement, il ne reste plus d'elle qu'un personnage fantasmagorique, puisque la Théodora triomphante, la politicienne, n'a pas du tout intéressé les auteurs dramatiques tardifs, ceux qu'ils ont Pourquoi envie... Parce qu'elle était femme ? Non, mais parce qu'il n'y a plus rien à dire. Elle est parfaite, elle est irréprochable, elle règne, elle n'y a jamais un écart de conduite, elle est totalement hiératique, c'est une icône. Elle est parfaite, donc on n'a plus rien à dire sur la perfection. Donc, on préfère s'emparer de sa jeunesse scandaleuse et d'imaginer de nouveaux scandales, et c'est ce que va faire Victorien Sardou en disant qu'elle trompe son mari, ce qui est faux. Puisque si Procope avait su que Théodora trompait son mari, il en aurait fait ses choux gras. Vous racontez la suite de l'histoire, hein, celle justement sur laquelle les hommes de théâtre et les romanciers ne s'étendent pas une fois qu'on a dit qu'elle a été prostituée, qu'elle en est sortie, qu'elle est devenue cette impératrice. Ce que vous racontez, c'est la manière dont elle instaure le pouvoir au féminin, c'est-à-dire recrutant parmi les anciennes prostituées, cherchant à leur donner des missions d'entremetteuses, mais pas seulement, créant des mariages avec un certain nombre d'entre elles. C'est aussi un peu Mata Hari, Théodora, non ? Ou est-ce qu'on va trop loin ? Il y a un côté Mata Hari, mais je pense qu'il y a un côté vengeance sociale. Elle vient des bas-fonds et elle arrive dans les plus hautes sphères du pouvoir. Je pense qu'il faut... Je vais faire quelque chose qu'en tant qu'historienne, je n'ai pas le droit de faire. Je vais essayer de me mettre à sa place. Pourquoi vous n'avez pas le droit de le faire en tant qu'historienne ? C'est ça qui est passionnant. Parce que là, je suis dans l'histoire de l'émotion. Je suis dans l'empathie. Théoriquement, je n'ai pas le droit. Mais je vais le prendre. Et de fait... Elle se retrouve dans les plus hautes sphères du pouvoir face aux femmes de l'aristocratie qui ne peuvent pas la respecter, puisqu'il faut imaginer des chrétiennes qui ont été élevées avec de très hautes valeurs de vertu, qui sont dirigées par une putain, puisque c'est bien ça. Donc, de fait, elle doit littéralement dynamiter cette aristocratie en introduisant des éléments qui sont, comme elle, venant des bas-fonds. Donc, elle va d'abord créer une espèce de groupe féminin avec ses vieilles copines de l'hippodrome, si je puis dire, Antonina, notamment, qui va épouser Bélisère. Et elles vont créer un réseau d'informations féminin. Elle va aussi empêcher cette élite de se reproduire entre elles en obligeant les jeunes hommes et les jeunes femmes à épouser des gens venant de plus bas milieux sociaux. Elle intervient même, selon Procope de Césarée, dans certains mariages pour les arrêter et dire « Non, je ne suis pas d'accord, vous allez épouser quelqu'un d'autre ». Et on sent que c'est sa manière de diriger cette aristocratie qui, sans doute, n'osait pas trop se rebeller, mais qui la méprisait secrètement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on peut trouver en Théodora, telle que vous la racontez, une des pionnières, une des ancêtres du féminisme ? Pas dans le sens où elle a œuvré pour la liberté féminine, mais dans le sens où elle a permis... à d'autres jeunes femmes de prendre de la place dans l'espace public. Parce que toutes ces femmes que j'appelle les pionnières du féminisme, comme l'était Agrippine dans mon livre précédent, ce sont des femmes qui ont refusé les carcans sociaux et qui ont pris des places que les hommes leur refusaient. Généralement, ça s'est retourné contre elles et elles sont parues évidemment scandaleuses. Théodora, prostituée et impératrice, allez-y, c'est absolument passionnant. Ça pourrait être un roman. Je vous vois, Frédéric Vitou, quand je vois votre œil qui friche, je me dis, ça y est, il a trouvé un sujet de roman. Non, mais parce ça pourrait. Pour moi, c'était un sujet d'un film formidable de Ricardo Freda qui s'appelait Théodora, impératrice de Byzance, avec Gianna Maria Canale et Jean Marchal. C'est un péplum. C'est comme ça qu'on aime l'histoire. Et c'est comme ça qu'on dit, ah, Théodora, et on va lire le livre, parce que j'avais lu ce film quand j'avais 17 ans, et j'avais adoré ce film. C'était formidable. Alors, lisez le livre de Virginie Giraud, qui vient de paraître aux éditions Talendier.